Donc, bienvenue sur Zombio. C'est beaucoup différent de Minecraft ou de Smash Bros. Je vais mettre en mode survie. En mode survie, on n'a qu'une vie. Et évidemment, je considère 12 ans et plus. Vous n'êtes pas obligé, là, faites ce que vous voulez. Mais il y a quand même pas mal de sang, fait que c'est votre choix. C'est à partir de là, c'est plus mon problème. Je démarre. On voit un flux rouge. Je laisse la vidéo de démarrage. L'alchimie de la richesse à partir du néant sera de nouveau un fléau brûlant. Un brouillard de mort couvrira la terre. Et les hommes insouciants succomberont sous ses crises. Vous pouvez passer ce moment, il dure environ une minute ou deux là. Parce que au début ça risque d'être un peu long là, c'est du chargement, c'est du blablabla, il parle des anges noirs qui rend le monde zombie. Voilà la logique. J'adore les logiques de la chose. Non, c'est sérieux, c'est con. L'histoire est conne, mais le jeu est bon. L'histoire est vraiment con. Conne. Nous voici en train de fouiller sous les cadavres. Il y a pas mal de zombies, pas mal de boîtes et surtout pas beaucoup de survivants. Puisqu'on peut juste en jouer un. Ça se peut que la caméra ait un peu de défaut, là, c'est un peu normal. Mais qu'est-ce que je veux vous dire, hein? C'est les zombies, c'est leur faute. C'est pas ma faute. Oh non! C'est pas ma faute. La vidéo dure longtemps, donc c'est pour ça que je dis un peu n'importe quoi. Il y a un gars qui demande de finir le voir. C'est le bout un peu, comment dire, trippant, bizarre, surtout qui fait peur. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un des bouts là. Je dirais pas que c'est lui le plus terrorisant, mais... Une seule morsure et c'est la mort. Vous avez compris ça? Sachez que vous entendez ma petite soeur s'amuser là. Inquiétez-vous pas, elle a pas peur de ça là. Inquiétez-vous pas, vous n'avez pas à capoter rien. Moi voici, me voilà. C'est normal que vous voyez rien présentement ou à peine. Mais en plus, je vois rien. Ben, pour l'instant, faut juste que je me sauve, tranquille. Ben, parce qu'il y a pas mal de zombies, j'ai pas d'armes. Ben, voici mes mains. Vous avez vu? Une poussée de main. Non, un pouvoir magique si puissant de pousser ton adversaire dans le vide. C'est un chargement, on veut rien. Normalement, on n'est pas censé voir grand chose. Le temps que le truc charge. C'est ma petite soeur qui fait des drôles de bruit. Mon frère, il est pété. Il niaise tout le temps là de moi. Là. J'espère que vous m'en voulez pas. Ah, voilà ma tablette. Voilà, j'ai récupéré la tablette. Le bunker. Et voilà. La tablette du survivant. C'est une carte électronique avec un radar relié à moi. Comme ça, je peux te suivre. T'en auras bien besoin. Maintenant, tu peux voir ce que tu fais.
pièce principale et regarde les moniteurs. Tu vois, la dernière personne que j'ai aidée, elle est sortie sans la tablette. Regarde comment ça a fini. Un autre truc à jamais oublier, le sac à dos. Ne sors surtout pas sans lui, sinon tu paieras ta vie. Je tiens à préciser que je joue en ligne, parce que ben, c'est plus le fun parce que les zombies ont plus d'équipement, parce que si je tombe sur un rescapé, disons, mort, exemple que je découvre un rescapé mort, qui joue avec moi, ben évidemment, ma soeur elle chante, là, elle s'amuse. Évidemment, les messages que vous verrez sont pas tous nécessairement réels ou vrais. Exemple, ici... Ben, c'est ça. Exemple, ici, il dit qu'il y a une tête de mort, mais dans le fond, ça se peut que ce soit pas vrai, tu sais. Dans le fond, ça peut être juste simplement... comment dire? Que la personne est morte ici, ou quelque chose comme ça. Ben, évidemment, c'est comme ça, tu sais. On doit aller... C'est le moment d'essayer ton radar. C'est le moment. Ceci est un rescapé infecté. Évidemment, celui-ci, c'est celui que vous avez vu sûrement dans la caméra, ou vous avez peut-être pas aussi bien vu. Vas-y, prends la balle de cricket. Mais, vois ça comme un incantation pour survivre. Si tu te fais infecter, voilà. T'auras peut-être envie que quelqu'un fasse la même chose pour toi, non? Bah là, il est bien mort, hein. C'est un sale boulot, mais il faut bien le faire. Regarde dans le sac. Si je me rappelle bien, il y a un pistolet et une munition. T'en auras bien besoin. Ben évidemment, c'est ça. J'ai juste récupéré le sac à dos. Des choses qui peuvent être utiles. Économise tes munitions et apprends à recharger. Bien joué. Ben, voilà. Je vais toi de bien les yeux. Attention. Évidemment, ceux qui connaissent pas, ça devient un peu bizarre pour alors, vous autres. Ceux qui connaissent pas, là, vous allez le découvrir. Bah, pas avec moi, parce que je le connais déjà. Vous allez découvrir assez vite comment ça fonctionne, puis comment un jeu doit être fait. Ceci est le bunker, le truc où que tu ranges tes choses à l'intérieur. Dans le fond, la seule utilité que c'est de serrer ses affaires quand on n'a plus de place dans nos poches. Voilà. Moi, je m'en sers pour déposer mes armes, mes trousses de vie. C'est tout, pas mal. J'ai pas trouvé une véritable utilité à part celle-là. Maman! Ces moniteurs sont connectés à des caméras de surveillance. Ils ont même un tout nombre. Voyons voir. Active les boîtes de fonction. Dis-moi, c'est pirate pour avoir l'enflux de vidéo. Je sais pas si vous comprenez bien. Les caméras de sécurité sont inviolables. Reliées au QG de la police. Mais c'est faux. J'étais dans les Royal Signals de l'armée. Je peux t'apprendre une ou deux choses sur la sécurité des communications. Va falloir que tu sortes. Les caméras vont pas s'activer toutes seules. Et bon, on s'écrase pour faire un peu de shopping. Avant de terminer la vidéo, parce que ça terminera pas tout de suite, genre, peut-être dans 15. Quand il va avoir 15 minutes de fait, peut-être, ouais, ça ferait une bonne des premières vidéos. Je vais au moins tuer quelques zombies, juste que vous voyez à quoi que l'air le combat, au moins là-dedans, parce que sinon ça serait plate que tout le long vous me voyez me promener avec des objets. Parce que je considère pas comme le premier zombie comme un véritable adversaire, puisque, ben, disons, il est trop simple. Il fait rien. Il bouge pas, il est condamné. C'est pas un véritable adversaire, c'est ça le mot. J'ai pas trouvé d'autre. On aura besoin d'un badge pour sortir. Il y en a sûrement un dans cette station. Utilisez le scanner environnemental de la tablette pour fouiller le secteur. Je vais scanner. Dans le fond, le badge, il sert pas à grand chose, à part... Ben, pas le badge, mais... Et vous attendez, peut-être encore ma soeur, là, qui niaise. Elle est drôle, elle aime ça, dire des choses quand je filme ou que je fais une vidéo. Présentement... Ça se peut que vous voyez une barre passer dans l'écran, ça peut être un peu dérangeant, mais je vais essayer de m'arranger. Je vais m'arranger pour qu'elle apparaisse le moins possible. Comme ça. Pour pas qu'elle vous dérange le moins possible.
Évidemment, vu que je suis en survie, en mode plus difficile, les monstres sont plus difficiles également. Vous voyez, normalement, au bout de 3 coups, il serait déjà à terre puis je pourrais l'achever. Là, je crois que tout au bout de 6 coups, je l'ai commencé à l'avoir, qui commence à s'affaiblir, qui est tombé. C'est quand même assez long, donc les combats risquent d'être plus longs que normal. Voilà. Et je tiens à dire, par exemple, une seule chose. C'est dès que je meurs, dès que mon perso est game over, exemple, puisque j'ai juste une vie, la série s'arrête là, comme ça. Exemple, j'ai juste commencé là, puis j'ai un zombie que j'ai pas vu, il meurt, je suis mort, ben c'est fini là. J'arrête la série là. C'est pas parce que c'est juste que ça serait trop compliqué de tout recommencer, tout, donc ça serait moins épuisant. Parce qu'évidemment, est-ce qu'il y a un effet? Voilà, j'ai trouvé des planches. Oui, des planches. Vous voyez peut-être pas parce que moi j'ai le gamepad, mais je peux voir un peu ce qui se passe. Voilà, je pense. Cet abri, c'est mon œuvre. Très bien longtemps, j'étais associé à un groupe de minables qui s'appelait les camps. Je les ai aidés à fortifier des endroits comme celui-là. On savait que ça arriverait un jour. C'est bon, ça, c'est la grosse, c'est mort. Ça se peut que vous ne voyez pas aussi bien que vous serez censé voir, mais je vais essayer de bien placer tout. Et voilà. Vous commencez à voir un peu le système du jeu. Moi, je sais déjà comment il marche, mais vous le connaissez peut-être que vous le connaissez, peut-être même mieux que moi. Mais moi, c'est comme ça, je vais voir comme ce jeu. Et voilà, c'est comme ça. Ah, j'ai oublié l'élément. J'avais pas marqué. Et voilà, je l'ai commencé. C'est quoi? Un chocolat. Ah oui, parce que j'ai ramassé. On ramasse de la bouffe ici. Hein. On trouve de la nourriture. Et voilà. Peut-être que là, vous voyez mieux, mais avec une petite barre blanche un peu dérangeante. Ou une barre noire, peut-être. Mais ça va se replacer, ça va partir, ça va revenir, ça va partir. Je sais pas pourquoi trop ça fait ça. Oh, ça, désolé, c'était moi. Voilà, ça s'est ajusté. John Dee avait prédit l'épidémie et aussi le grand incendie de Londres qui a fini par l'éradiquer. Il a dit que les victimes de l'épidémie sont vivantes et il a même tenté de trouver un remède, la panacée. Mais c'est qu'un monde. Ceci est. Le truc des meilleurs survivants. Des best survivants. Les meilleurs survivants du jour, c'est Mizard 95, 19210 points. Vous voulez voir j'ai combien de points? Je vais vous dire comment j'ai de points, puis j'ai juste de commencer. Ouais, on cherche ça, cherche ça. Voyons, je sais plus où faut trouver ça. Ah, ça doit être là-dedans. J'ai 130 points. C'est pas beaucoup, mais j'ai juste tué. Il y a juste deux zombies qui comptent sur ceux que j'ai tués, donc. Disons que ça se comprend un peu. Gagne la porte, s'il te plaît. Je m'en occupe. Je vais rouiller les lieux pour que tu sois en sécurité. Voilà. J'espère voilà. Que vous entendez très bien. On ferme la porte et on avance vers une quête inexorable. Tu tuer des zombies. Évidemment, il y a des choses qui vont se passer. Hein. Arrange-toi pour scanner toutes les boîtes de jonction du réseau de surveillance. Que je puisse les pirater et réactiver les caméras. Voilà. Je vais faire un scan rapide de la zone. Chaque point blanc est un objet que l'on peut scanner. Et chaque objet est quelque chose. C'est comme ça, c'est bizarre, c'est un peu niaiseux, mais
Ou une horde. Oh, 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 oh. Ah. Sûr d'être prêt, ouais, c'est vrai. Avec toute une horde. C'est ta vie qui est en jeu. Bon, bah, ça serait plus tard de voir s'il veut pas que je fasse. Parce qu'il faut quand même écouter. Faut quand même un peu écouter ce que, voyons, le guide nous dit de faire. Parce que. Parce qu'on risque de mourir assez vite. Et quand on meurt, parfait. C'est chiant. Ta carte est à jour. Prends une bonne carte. Tu feras pas long feu dehors. Bon, bah, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci. Prochaine vidéo, je scanne un autre truc et c'est dans la boîte. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et mettre un j'aime.